Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plusieurs localités environnantes d'Abidjan ont connu des difficultés d'approvisionnement en électricité. En cause, la dégradation accidentelle d'un pylône électrique à Abobo-Dokui. Les détails dans cette édition. Deux territoires, une culture et surtout une mémoire. Retour sur les célébrations du 10 mai, journée de mémoire contre la traite négrière et l'esclavage au sein de la communauté des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. Et en fin de journal, plongé au cœur de la magie artistique des chants, des tambours et des guitares qui ont ouvert les festivités du 30e anniversaire du lycée d'enseignement artistique, offrant une symphonie envoûtante de créativité et de célébration. L'opération de déguerpissement entamée par le district autonome d'Abidjan se poursuit, notamment à Abobo. Le 10 mai, ces travaux ont engendré la chute d'un pylône électrique à Abobo-Dokui. Dépêchées sur place, les équipes de la CIE se sont rapidement mises à l'œuvre. Actuellement, les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc remettre en service, donc, notamment par la réparation qui est affectée. Les délais, vous notez avec moi que les travaux sont importants. Nous avons le délai estimé deux semaines, mais en lien avec les perturbations causées par ce sinistre-là, nous allons faire des réponses plus grandes pour réduire ce délai. Pour l'instant, nous pouvons annoncer que les perturbations vont durer jusqu'à deux semaines. Cette situation a occasionné plusieurs pertes matérielles chez les riverains du quartier environnant. Tomé, t'as lâché mon magasin. On n'a plus rien sauvé hier. Moi, ma voisine, elle-même, elle vient de commencer. Elle vient de commencer le coin là. Ils ont tout gâté hier. J'ai perdu de l'argent. 1 500 000 francs. Qui est d'abord l'argent de la tontine des femmes. D'abord aussi, j'ai perdu mon magasin. 3 containers de magasin qui me coûtaient au moins 10 millions. L'incident a entre autres perturbé la fourniture en électricité de plusieurs localités, dont la zone d'Abidjan Sud, de Bassam, de Bonoua, d'Adiaké et d'Assini. 10 mai 2001, Christiane Taubira, alors députée française, fait, à travers une loi, reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. 23 ans plus tard, la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition est toujours commémorée par l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, une commémoration qui a porté sur l'enfant au temps de l'esclavage dans les Antilles françaises. Il ne faut jamais laisser ses valeurs, il faut toujours savoir d'où on vient pour pouvoir aller plus loin et pouvoir se construire. Et peut-être parce que nous sommes partis dans les cales de bateaux. Nous sommes partis, il y en a beaucoup qui sont restés dans la mer, mais nous sommes revenus chez nous. Vous voyez comme nous sommes. Nous avons d'autres apports, mais nous sommes revenus chez nous. Et vous êtes fiers de nous avoir. La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est des mots de douleur et de respect. Je suis allé récemment à Kanganyanze. Et quand on va là-bas, on comprend tout ce qui a pu se passer, y compris en Côte d'Ivoire. Et donc c'est important de rendre hommage à cette histoire qui est douloureuse. L'esclavage est l'un des combats les plus longs de l'histoire coloniale. La traite des Noirs a duré plus de 3 siècles. Plus de 20 millions d'Africains ont été déportés. Réseau des journalistes d'investigation du nord de la Côte d'Ivoire, en abrégé Régine CI, voici ainsi dénommée la nouvelle plateforme des journalistes et professionnels de la communication, issue de l'écosystème des médias du projet Résilience pour la paix financé par l'USAID. Ce n'est qu'un petit pas. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est l'élection, ce n'est qu'un petit pas. Le plus gros de l'eau, c'est ce qui reste à venir. Et nous savons que c'est beaucoup de challenges. Et nous y arriverons avec la volonté, avec toutes ces personnes qui nous entourent. Nous y arriverons. Le Régine CI vise entre autres à promouvoir le développement du journalisme d'investigation dans le nord de la Côte d'Ivoire et ambitionne de renforcer la contribution des journalistes d'investigation à la résilience communautaire face à la montée de l'extrême violence dans les zones frontalières nord. Il y a des conflits en griffe récurrents dus aux extrémismes violents sur la bande frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Et la mise en place de ce réseau qui a été accompagné par Equal Access International va nous permettre à nous, journalistes, d'aborder toutes les questions, fouiller, apporter quelques brins de solutions aux populations pour leur bien-être. Je voudrais donc, à cette occasion, appeler l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire, l'ensemble des partenaires au niveau national comme international,
à s'approcher de notre organisation. Nous voulons des partenariats pour nous permettre de travailler parce que l'investigation, on voit pas forcément du mauvais œil. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, il faut tirer les responsabilités et accompagner notre communauté. Les membres fondateurs sont des journalistes cooptés par le projet Résilience pour la paix, lancé en 2021. Il est mis en œuvre par l'ONG internationale Equal Access International. 1994-2024, voilà 30 ans que le lycée d'enseignement artistique, ou LEA, a ouvert ses portes à Cocody, une date clé que l'institution n'a pas manqué de célébrer. Dans le parcours de tout un chacun, il arrive un moment où il faut faire stop et puis essayer de faire son meilleur qui marche, voir tout ce qu'on a entrepris, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis des perspectives à venir. Puisque le monde aujourd'hui, c'est en perpétuel changement. Donc, il faut s'adapter à la situation. La scène était empreinte d'une atmosphère festive et vibrante alors que les élèves, les enseignants et les invités se sont réunis pour célébrer cette étape mémorable. C'est une joie pour moi de redécouvrir, de venir à ce lancement parce que nous constatons que le Léa est un vrai vivier, une vraie pépinière de l'industrie culturelle. Parce que quelqu'un disait, un pays sans culture est un pays sans âme. Longtemps, la culture a été reléguée au second rang. Genre, quand tu es artiste, c'est comme ça, tu vois rien. Aujourd'hui, on se rend compte que la culture compte dans un pays. C'est beaucoup d'espérance. Moi, je peux dire que depuis que je suis en président de Nelson, c'est d'apprentissage et le fait de prévoyer depuis que mon sache ce soir, c'est un bon espérance. Moi, je peux dire à chaque parent d'écouter la voix sur le vide. Parce que là, ce n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qu'on a déjà. Et on vient dans un lycée, on vient dans une école d'art, pour parfait ce qu'on a. Théâtre, chant ou encore peinture, tous les domaines artistiques sont couverts par l'institution. Institution dont l'admission fait l'objet d'un concours. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.